Bonjour Chantal Dufat. Bonjour Florence. Merci d'être là avec nous. Et je vais te présenter tout d'abord, avant que tu interviennes, en explicitant le fait que tu es consultante au musée du parfum Fragonard à Paris et tu accompagnes aussi les personnes à trouver et à créer leur propre parfum. Et tu nous aides aussi, je dis nous, puisque j'ai bénéficié de tes compétences et de tes talents. Tu nous aides aussi à prendre conscience de l'odorat, du ressenti, aussi à travers des expériences que tu mènes au musée du Louvre à Paris, des expériences liées à l'histoire de l'art, à l'Antiquité, et puis aussi avec le musée d'art moderne à travers le lien entre les œuvres en parfum, ou le lien entre les œuvres et le parfum. Et donc ça fait plein d'expériences olfactives, c'est très intéressant. Et c'était important pour moi que tu interviennes, c'est important pour moi que tu interviennes pour justement nous aider à prendre conscience ou à reprendre conscience de l'impact de l'odorat et du lien, comme tu nous le proposes, du lien entre l'odorat comme chemin vers l'âme et surtout l'idée de ressentir, de sentir et ressentir pour revenir à l'essentiel. Et je te laisse la parole et j'aimerais beaucoup savoir ce que ça signifie pour toi, l'odorat comme chemin vers l'âme et sentir pour revenir à l'essentiel. Merci Florence. Merci. Alors pour commencer, plutôt que de me lancer dans un long discours, j'aimerais juste m'adresser à vous les auditeurs, en vous posant une simple question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser la question du sens de votre vie? Combien d'entre vous se sont posé la question du sens de leur vie? Et comment peut-on savoir quand on l'a réellement trouvé? Alors moi, ce que je souhaite partager avec vous, c'est la façon dont j'ai trouvé le sens de ma vie à travers le parfum. J'irais plutôt comment le sens de ma vie m'a trouvé grâce au parfum. Avant de commencer, j'ai deux petites questions. Est-ce qu'il vous arrive parfois de ressentir que vous êtes tellement sollicité, vous n'avez pas une seconde pour réellement savoir ce dont vous avez vraiment envie? Sentez-vous également qu'il serait important pour vous d'écouter cette petite voix? Alors, si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, il est temps de sentir. Pourquoi? Parce que sentir de toutes les propositions que nous pouvons avoir pour prendre du recul, comme les vacances, la méditation, les pratiques corporelles, comme le yoga par exemple, pour n'en citer qu'une, sentir est la solution pour se recentrer immédiatement. Sentir quoi? Sentir l'odeur des fleurs, des arbres, des essences et pourquoi pas de votre propre parfum. Si vous avez des journées de 48 heures et que vous n'avez pas 2 minutes pour penser à vous, si vous sentez stressé, si parfois vous avez des pensées incessantes qui tournent en boucle, un mental vraiment bavard, vous avez l'impression de manquer d'intuition, d'avoir des troubles de mémoire, sentez. Sentez afin de vous recentrer, de vous reconnecter à vous-même, de favoriser l'intuition, de diminuer le stress, de peut-être relâcher l'anxiété, de laisser émerger de nouvelles possibilités, de nouvelles idées, et aussi retrouver la joie immédiatement.
Alors, pourquoi avec les huiles essentielles? Bah, tout simplement parce que lorsque vous êtes à l'intérieur, il est difficile de sentir l'odeur des fleurs, l'odeur des arbres. Donc, je vous invite à sentir les huiles essentielles. Les huiles essentielles sont obtenues par distillation à la vapeur d'eau d'une partie de la plante, donc ça peut être le bois, les fleurs, les feuilles, n'importe quelle partie. Et ces essences, elles sont synthétisées dans la plante. Donc ce que je vous propose en fait, c'est de revenir à ce principe du vivant. La plante, c'est un être, si je peux me permettre, même si c'est végétal, autotrophe. Donc en fait, elle va mobiliser toute son énergie pour passer de l'état de graine à une plante élaborée telle que nous la voyons. Et donc, on est vraiment dans le principe du vivant. Et c'est ce principe du vivant que je vous amène à retrouver en sentant les huiles essentielles. Pour moi, c'est juste une évidence, surtout quand on est à la recherche d'authenticité. Alors, dans quelle perspective, c'est que sentir les parfums, ça peut être déjà utile pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous. Ça peut être une manière de prévenir le burn-out. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous. Vous savez, cette panne qui surgit un jour et qui nous met en mode stop, sans trouver de solution. Sentir, ça vous permet aussi de stimuler la mémoire, d'ouvrir de nouveaux horizons. Alors, ce en quoi je crois, c'est que c'est vraiment en étant complètement authentique, complètement au plus proche de soi-même, que chaque être humain peut offrir la meilleure version de qui il est. Se reconnecter à la beauté de la nature, se sentir inspiré, sentir tout simplement pour être, c'est vraiment ce vers quoi je vous accompagne. Je sens que voilà, ma mission, c'est vraiment vous aider à retrouver l'émerveillement de votre cœur d'enfant. Qu'est-ce que je sers? Le parfum pour retrouver le chemin de son âme. Alors, je n'irai pas jusqu'à définir l'âme, je laisse chacun d'entre vous voir à quoi ça correspond. Toutefois, ce que je voudrais vous dire, c'est que lorsque vous sentez, les molécules odorantes pénètrent votre cavité nasale, touchent votre cerveau olfactif, et là, il se passe quelque chose, c'est immédiat. Remontée d'un souvenir enfoui, émotion, image. Ça peut être tout et autre chose encore. Donc, il est vrai que les huiles essentielles ont des qualités intrinsèques. Elles peuvent être calmantes, stimulantes, cicatrisantes, tonifiantes. Elles possèdent une autre qualité qui est un petit peu moins palpable. C'est qu'elles vont nous offrir une sorte de vibration, des vibrations subtiles qui vont cheminer dans le corps. Donc ça, c'est à expérimenter. Le parfum est une histoire que chacun fait sienne. Je vous invite à découvrir la vôtre, à explorer pour trouver le parfum de votre histoire. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivée à tout ça? Comment est-ce que le parfum m'a guidée? Bon, je vais vous raconter mon histoire. Je suis née un 13 juin à Thiès, un village du Sénégal de parents martiniquais, donc papa militaire et maman déjà mère de trois enfants. Et j'ai grandi dans le béton parisien. Inutile de dire qu'il n'y avait pas beaucoup de plantes autour de moi. Première rencontre avec la nature, les vacances en Normandie. L'odeur des vaches, de la bouse, des champs. Alors vraiment un profond sentiment de liberté que je ressens en voyant le bleu azur du ciel, en entendant les avions ronronner
Je rêve de liberté, je rêve de l'au-delà des toits parisiens. À 11 ans, je fais une grande découverte, je rencontre Madinina. Madinina, c'est l'autre nom de la Martinique, l'île aux fleurs. Donc, c'est là où sont mes ancêtres, où ont grandi mes parents. Et là, c'est le choc. Je sens une nature dense, profonde, vertigineuse. Des senteurs mêlées, goyave, banane, canne à sucre. Donc, toutes ces odeurs acides, suaves, remplies de l'humidité de l'air et de l'air iodé. Je sens que la nature me parle. Que me dit-elle? Je passe la première partie de mon adolescence, donc après un bac scientifique et des études en économie. Je travaille directement dans l'informatique, d'abord comme commercial, puis comme chef de produit. Et mon credo, c'était d'être au plus près à la source, au plus près de la création pour trouver des solutions. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à l'origine, avec toutes ces expériences proches de la nature, je souhaitais être géologue. Je rêvais de devenir géologue, d'aller explorer le passé, les profondeurs, l'histoire, pour comprendre le présent. Et dessiner les contours de l'avenir. Donc, dans ce métier de chef de produit, donc je finis comme chef de produit solution. Explorer pour apporter des solutions. Un jour, lorsque j'étais encore en poste et que je faisais un énième voyage direction le Japon, la limousine vient me chercher, donc je devais faire un Paris-Tokyo, et pendant que je me prépare, ma petite fille de 6 ans me dit « Maman, est-ce que tu pourras mettre du parfum dans ton foulard pour que j'aie ton odeur quand tu seras partie ?» Et là, j'asperge généreusement Chanel numéro 5 dans mon foulard, que je tends à ma fille, et je pars. Dans la voiture, dans l'avion, je me pince, je ravale mes larmes et je me dis « Chantal, pourquoi tout ça ?» Mes enfants grandissent et le temps passe. Un peu plus tard, je croise les effluves de mon parfum dans l'avion et d'un seul coup, je prends conscience du pouvoir évocateur des odeurs. Je décide à ce moment-là de donner un nouveau sens à ma vie. Je décide de donner un sens à mon métier, ou peut-être de donner un métier à mon sens le plus développé, l'odorat. Donc c'est comme ça que je vais à l'ICIPCA et que je rencontre les senteurs, je marie les différentes essences, les huiles essentielles, les molécules de synthèse également. J'aime cette expérience qui vise à raconter une histoire en parfum, rendre l'invisible visible et faire danser le tout. Plus tard, je complète ma formation et ma connaissance des plantes et des huiles essentielles. Depuis 10 ans, j'accompagne les hommes et les femmes sur le chemin des senteurs. Je les accompagne pour se reconnecter à eux-mêmes, se reconnecter à leur essentiel, retrouver leur cœur d'enfant. L'idée, c'est tout simplement de prendre le temps de sentir et ressentir. Je sens dont je suis. C'est ainsi qu'en 2013, je crée Parfum d'âme. L'originalité de Parfum d'âme, c'est de vous accompagner dans la création de votre propre parfum à partir des huiles essentielles.
Les essences nous parlent. Écoutons avec notre nez ce qu'elles ont à nous dire. C'est vraiment ce parcours, ce voyage que je vous propose de vivre. Se reconnecter à soi-même, se reconnecter à son cœur d'enfant, laisser émerger des futurs possibles, tout simplement avec votre nez. Donc, si le cœur vous en dit, je serai très heureuse de vous accompagner dans une expérience olfactive lors de l'atelier qui se tiendra le 25 juin à 18h30. Donc, je vous donne rendez-vous avec plaisir pour expérimenter autour des huiles essentielles et écouter ce qu'elles ont à vous dire. Ça va être génial, je crois. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il faut qu'on prépare pour vivre pleinement cette expérience olfactive? Parce que c'est quand même assez innovant de faire un atelier olfactif par Internet. Ça, c'est clair. C'est clair. Alors, pour pouvoir cheminer tous ensemble, j'ai prévu un petit kit que j'ai essayé de faire le plus simple possible. Donc, je vais quand même reprendre mes notes pour que nous, voilà, être sûre de communiquer les huiles essentielles que j'ai prévues. Alors, quand je dis huiles essentielles, il y a aussi des essences. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit set de 6 huiles essentielles essences. Donc, de l'essence. Alors, je t'interromps juste 2 minutes pour que les gens ne paniquent pas. La liste du matériel est sous la vidéo et écrit sous la vidéo de ce talk. Voilà, super. Mais vas-y, dis. J'accompagne la lecture. Donc, de l'essence d'orange, de l'essence de citron, une huile essentielle de lavande. Alors, je parle de lavande fine, Lavandula angustifolia. Une huile essentielle d'eucalyptus radiata. Alors, je précise vraiment, eucalyptus radiata ou en français, eucalyptus radié. Une huile essentielle de Ravensara aromatica ou Ravensare. Et une huile essentielle de menthe poivrée, Manta piperita. C'est tout pour les huiles essentielles. Ensuite, pour ceux qui se trouvent près de lieux où on peut trouver des touches de parfumeur, je vous invite à en acheter. Si vous n'en avez pas, qu'à cela ne tienne, vous pouvez simplement découper des bandelettes de papier, puisqu'en fait, on va mettre les huiles essentielles sur ces bandelettes de papier, des feuilles, un stylo, et pour terminer, oui, très important, des étiquettes. Voilà. Des grandes, des petites? Des petites étiquettes qui font je ne sais pas, 2 cm de largeur, ça sera pour coller sur les flacons, pour les masquer, voilà. D'accord. Bon, ça va être super. En tout cas, c'est super innovant et je te remercie vraiment d'avoir accepté cette aventure olfactive par Internet. C'est quand on a préparé cet échange, on s'est quand même un petit peu creusé la tête pour savoir comment on allait pouvoir faire vivre ça. Et toutes les deux, on est convaincus que, enfin, tu le disais très bien dans ce que tu viens d'évoquer, de l'impact et de la nécessité de ressentir et de ressentir. Et donc, vous allez pouvoir expérimenter donc, le 25 juin à 18h30. Et je me réjouis de ce beau moment qu'on va vivre ensemble. Et merci Chantal de pouvoir nous faire profiter de cela. Merci Florence, à toi de me donner cette opportunité. J'ai hâte de vous retrouver tous le 25 juin à 18h30. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.